Rassemblement de camping-cars dans la région parisienne. Ambiance de départ en vacances et pourtant. Ils sont venus en famille, entre amis, pour participer à une aventure humaine d'un autre temps, rallier Paris à Colmar à pied en moins de 3 jours, 521 km de marche, non-stop ou presque. Ils sont 40 au départ, 30 hommes et 10 femmes, tous amateurs. Le vainqueur empochera 50 000 francs, pas cher payé du kilomètre. En dehors des concurrents venus de l'Est, ce n'est pas l'argent qui motive les forçats du Paris-Colmar. La première édition de cette épreuve mythique remonte à 1926. C'était alors Strasbourg qu'il fallait rallier. La feuille de route, un coursier. Apportons la feuille de route. Merci. Signature jusque Colmar, hein. Obligé. Vous avez signé aujourd'hui? Ah oui. Voilà, si tu signes maintenant, tu es obligé de venir à Colmar. Depuis 10 ans, l'épreuve est ouverte aux femmes. Claudine Anxiona, 48 ans, tient un magasin de farce et attrape à Épinal. C'est sa 3e sélection sur le Paris-Colmar, ou plutôt Chalon-Colmar, car les marcheuses bénéficient d'une remise de peine de 177 km. Elles partent de Chalon en Champagne. Visite médicale obligatoire pour tous, examen minutieux des pieds. Pour être à niveau, il faut accumuler des milliers de kilomètres d'entraînement, et souvent, cela laisse des traces. C'est vraiment du... Ah oui. Je crois qu'il y a 15 ans, on n'aurait jamais pu faire des grandes distances avec des pieds. Non, mais maintenant, ça a progressé. C'est fou, parce qu'au niveau des traitements qu'on utilise, on a des traitements qui sont évolutifs au cours de la compétition. Gilles Letessier, 49 ans, est dessinateur projeteur à l'équipement en région parisienne. Un fanat de marche, c'est sa 17e participation. Le voilà. C'est une vraie passion quand on accroche Paris-Colmar, parce que c'est jamais deux fois la même chose. Je veux dire, là je repars à zéro, j'ai l'expérience en plus, mais par contre la course en elle-même, elle va être nouvelle, même si en définitive ça se joue sur une place ou deux à l'arrivée, parce que on sait que les deux meilleurs sont pratiquement inaccessibles, parce que c'est des gens qui n'ont pas le même profil que nous, c'est des anciens athlètes de haut niveau qui n'ont pratiquement jamais arrêté, et nous on est des... Enfin moi je suis un pur amateur. Les inaccessibles pour Gilles, ce sont les marcheurs venus d'Europe de l'Est, attirés par les maigres primes du Paris-Colmar. L'objectif de Gilles cette année, c'est de finir premier des concurrents français. Et pour atteindre ce but, rien n'est laissé au hasard. Vous regardez. Hop. Donc ça, c'est vous, hein, tout à l'heure. Tout à l'heure, dans 2 jours, quoi. Je mets de la biogaz. Ça évite qu'ils s'écrasent l'un sur l'autre. Simplement, ça les tient un petit peu en forme. Et puis, le produit qui est dessus empêche les brûlures. Et si on prépare vraiment bien au départ, eh ben, on arrive des fois à faire 250 km sans s'arrêter. C'est intéressant au niveau de la course parce que c'est des minutes de gagner. C'est du citron. C'est un produit tannant, le citron, naturellement. C'est vrai. Et c'est assez intéressant, ça la rend plus résistante à condition de mettre avec une crème. Après, c'est de la crème avec de la crème et encore de la crème. Tous les ans, on perd les ongles. On perd tous les ongles et donc on a un cycle. Et ils reviennent et puis... Mais en dehors des ongles de pied qui subissent assez mal le traitement, le pied ne bouge pas. Défi individuel, le Paris-Colmar est aussi le défi de toute une équipe. De 15 à 20 personnes accompagnent chaque marcheur, parents, amis, tous prêts à en baver 3 jours durant, pour le simple plaisir de participer à une épreuve à nul autre pareil. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Normalement, oui, ben, on peut le redémarrer. Je monte là-haut. Jeudi 3 juin, 21h, ils sont prêts. C'est parti, en route pour une petite balade pédestre de quelques 521 km. Les premiers kilomètres se font en groupe, dans une ambiance plutôt détendue. Ça
Puis ils ont les sièges couchettes en plus. Hein. Vous fatiguez pas, mettez en siège couchette. Première règle du marcheur, tenir une bonne moyenne, entre 8 et 9 km/h, sans jamais perdre de vue qu'il va falloir marcher ainsi plus de 60 heures d'affilée. Voilà, c'est bon. Plus que 500, c'est bon. Gilles a opté pour un départ tranquille, une stratégie mise au point avec Bernard, l'un de ses équipiers marcheurs. Pour l'instant, ça se déroule normalement. On suit son plan de marche à la lettre, c'est-à-dire on part doucement. Là, il est dans un groupe là où certains s'accrochent pour rester dedans et lui, pour l'instant, bah, il ralentit pour rester avec. Il a légèrement décroché pourtant. Oui, mais parce qu'il a fait un petit pipi en route, je crois. D'accord. Donc, ce qui permet d'avoir une coupure. Mais il est dans ce groupe-là parce que lui, pour l'instant, il est à l'aise. Hein. On verra bien après, au niveau des relais. Premier des 27 points de contrôle au kilomètre 26. Deux Polonais et deux Russes passent en tête. Le groupe de Gilles arrive 22 minutes plus tard, en 22e position. Le Paris-Colmar ne fait que commencer la première nuit de marche avec pour seule compagnie celle des équipiers et la sono du camping-car. Vendredi, 6h du matin. Il marche déjà depuis 9h. Là, ils lui ont donné à manger. Il a pas mal ramené de nourriture. Hein. Je sais pas, il avait faim. Oui, alors, presque toutes les heures, il a mangé. Hein. Oui. Et puis, il finissait tout. Hein. Oui. Ouais, on sentait que c'était... Il a besoin. Ouais. Alors, on l'a laissé faire. La prochaine fois, on lui fait une bouillie. C'est à sa demande qu'on le nourrit ou c'est plus... Oui, s'il a des périodes comme ça, oui, on le laisse. Et puis, de toute façon, après, quand la fatigue va commencer à venir, il mangera beaucoup moins. Donc, ça va se régler tout seul. J'ai pris deux comprimés, j'ai dormi comme un bébé. Non, ça s'est bien passé. J'ai pris un départ prudent, donc c'est pas pour autant qu'on se promène, mais on est quand même bien le lendemain matin, quoi. On n'est pas entamé. Maintenant, on a mis en marche les chronomètres, là, pour s'assurer de la vitesse. Je pensais être à 8,5, on a fait 8,270 le premier tronçon, et c'était vraiment confortable. C'est très long, Paris-Colmar. On aura le temps de voir évoluer la course et de rattraper. Châlons en Champagne, kilomètre 177. Les 10 concurrentes féminines attendent l'arrivée du premier marcheur pour prendre le départ. Dernier repas tranquille, Claudine se concentre. Il y a seulement 5 ans qu'elle s'est mise à la marche. Bon, moi qui faisais de la course à pied, je pense que la marche, c'est encore plus dur, mais pas au niveau du cœur, c'est plus dur au niveau de la tête. Mais si, il faut être fêlé pour faire ça, parce qu'il faut beaucoup d'heures d'entraînement, on est toujours tout seul dans les entraînements, l'hiver, la pluie, il faut y aller tout le temps, et on est toujours ça, un sport de solitaire en fait. Hein. Donc, moi, je fais aussi ça pour mes enfants, parce que je les ai élevés toujours toutes seules. Moi, j'ai élevé mes 3 enfants toutes seules depuis qu'ils sont tout petits, donc je voudrais qu'ils soient fiers de leur maman. Parce que j'en ai bavé dans ma vie. Et je pense que c'est un peu une revanche pour moi, le sport, par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Il va repartir avec l'équipe féminine. 14h49, arrivé à Châlons du Polonais Urbanowski. Il a couvert les 177 premiers kilomètres en 17h49 minutes, soit une moyenne de près de 10 km/h. 5 minutes de pause, et puis il repart en compagnie des concurrentes féminines. Colmar est à 344 km. Aux côtés de Claudine, la Martiniquaise Delcina Pajoul, 54 ans.
Elle a remporté l'épreuve féminine l'an dernier. La marche est un sport de quadra et plus. Les jeunes, paraît-il, manquent d'endurance. Claudine, deuxième en 98, entend bien prendre sa revanche. Elle a choisi de partir vite. Delsina et Claudine avalent leur premier kilomètre à plus de 9 km/h de moyenne. Arrive à Châlons-en-Champagne avec 3h06 de retard sur le premier. Il marche depuis près de 21h. Il est maintenant 11e, toujours confiant et serein. Oui, il lâche 8-4. 8-4, mais bon, okay, c'est bon. Sans trop tirer. Plus, hein. J'ai eu un moment difficile, comme avec votre passage, mais pas longtemps. Ouais. Et on a de la marge. C'est bon. Ouais. J'étais un peu moins vite que les autres, je suis derrière, mais je suis théoriquement un peu mieux. Théoriquement, je suis un petit peu plus frais. Alors on va voir si le petit peu plus frais suffit à aller chercher devant. Quoi. Ce sera l'objectif demain. La chasse est ouverte. Voilà. Gilles repart. Le Paris Colmar, c'est un peu comme la fable de Monsieur de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut savoir gérer son effort. Poignée de main et gestes amicaux en passant à un concurrent russe, le Paris Colmar est affaire de gentleman. Vous voulez voir ce que c'est de la marche athlétique ? Eh ben c'est ça. C'est comme ça qu'on remonte. Non, non, tout doucement, j'y vais. Devant, Claudine a le moral. Elle est en tête. Ses équipiers sont confiants, même si. C'était 35-300. Donc on a baissé une moyenne là. Elle a baissé là ? Un petit peu. 43-600 ? Je te trouve, regarde. Pas beaucoup, 35-300. Si on était en direct, on pourrait pas. 8-3 de moyenne. Elle baisse là ? Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Bah, elle baisse régulièrement, 9-9, 8-7, 8-6, 8-3. Ah, 8-6, 8-3. Oui. Oh. Non, elle est encore au-dessus de 8. Oui, oui. Les kilomètres défilent. La pluie fait son apparition. Et pour certains, les vraies galères commencent. Vendredi, 21h42, kilomètre 237. Le Polonais Urbanowski arrive à Sermez, première des deux étapes repos. Trois petites heures, il marche depuis 24 heures et 17 minutes. Le Paris-Colmar est une épreuve sans grands moyens. Des boxes sommaires ont été aménagées dans un gymnase. Il faut faire avec, sans lumière et en silence. Lorsque Gilles parvient à Sermez, il est presque 2 heures du matin. Il totalise plus de 28 heures de marche. C'est pas mal. C'est toujours difficile d'arriver à Sermez. Bon, mais maintenant, j'ai une heure de retard sur Pascal. Ça va être tout à fait jouable. Ça dépend dans quel état de fraîcheur il est. Mais ça va nous occuper.
C'est la pluie qu'on entend là. Ah, mais là, t'en avais une sur le secteur Teiba qui était surtout à Paris. Samedi, au petit matin, kilomètre 125 pour les femmes, 300 pour les hommes. Les visages sont tirés, la fatigue est là et bien là. La pluie n'a pas cessé de la nuit. Ludmilla et Irina, deux jeunes Russes de Saint-Pétersbourg, font route commune. Cela aide parfois. Les concurrents sont de plus en plus éparpillés. Le Paris-Colmar commence à sérieusement laisser ses traces. J'ai pas eu de coup de barre de sommeil, mais j'ai eu des petits problèmes aux pieds d'ampoule. La pluie, c'est bon. Au contraire, ça réveille. Au mieux, ça que le soleil, parce que le soleil, ça tape sur la cafetière. Hein. Attends, je passe à Neuchâteau. Je pense que je vais dans... J'arrive dans les Vosges. On est tout près de Neuchâtel. Hein. Et puis bien sûr, Épinal, parce que je suis chez moi. Puis Épinal, ben, il reste 100 km. Bon, en fait, c'est rien. Quoi. Ça fait du bien d'avoir du monde, hein, parce que je commence à m'ennuyer, moi. Allez. Mon gros problème, c'est l'ennui, moi. Si je suis toute seule, ça va pas. Hein. À ce stade de la course, il faut surtout ne pas cogiter. Roger Kemener, sept fois vainqueur de l'épreuve, en sait quelque chose. Eh bien, ce qu'on pense surtout... Pour ceux qui ont la faculté de gagner, automatiquement, c'est gagner. Et les autres, quand on sent qu'on ne peut pas gagner, évidemment, c'est d'aller à Colmar. Parce que le but, c'est de passer cette ligne à Colmar. Ça permet, vis-à-vis de soi-même, déjà, de mesurer qu'on est capable de le faire. Le cerveau, il est occupé qu'à la compétition, si, pour quelqu'un qui est concentré. Si un athlète pense à autre chose, automatiquement, le rythme va ralentir. Et d'un seul coup... Tout va se désagréger, en fait, il n'aura plus de force, il va penser à autre chose, et puis d'un seul coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et la fatigue s'installe, et c'est fini, et l'abandon, d'un seul coup, ça va être une espèce de circuit qui va se mettre en route, et puis ça sera penser à abandonner. Mais comment abandonner? Lorsque vous avez emmené une équipe de 15 personnes avec vous, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas abandonner. Alors que si vous faisiez ça tout seul, vous auriez pris au bout de 60 km la première à droite. Repousser toujours plus loin ses limites, c'est le credo du marcheur. Et dans les moments difficiles, c'est aux équipiers d'intervenir. En ce moment, on essaye de pas penser à autre chose qu'à la course, parce que sinon, on a une tendance à s'échapper. On a le sommeil qui est pas loin, tout le temps. Et donc, il faut vraiment se forcer à se remettre dans la course. Sinon, on somnole. D'ailleurs, les équipiers veillent de près et me font des remarques sans arrêt. Ben, c'est leur rôle. Là, maintenant, ils ont un rôle essentiel qui est d'assurer la vitesse du marcheur en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Épinal, kilomètre 237 pour ces dames, 415 pour ces messieurs. Deuxième et dernière halte, une heure de repos pour tous. Il est 0h06, Delcina, la Martiniquaise, arrive la première, elle a passé Claudine. Elle est à peine marquée par les 31 heures de marche qu'elle vient d'effectuer. On est dedans. C'est normal, hein. Qu'est-ce que t'as? Ça te gratte. Arrivée de Claudine 34 minutes plus tard, le visage crispé, elle souffre d'une grosse ampoule au pied droit. Dès que tu peux étendre, tu sais, on est avec la caméra infrarouge, là. Hein, d'accord? Parfait.
Qu'est-ce qu'il y a eu à droite? C'est dur, hein. C'est à coup 100 km. Donc rien n'est joué puisqu'il y a les deux petites ruses derrière. Dernière nuit, un vrai cauchemar. Des trompes d'eau, le froid. Il faut serrer les dents et marcher. Seul réconfort, Colmar n'est plus qu'à 100 km. Dimanche, 5h30 du matin, le papa de Claudine fait grise mine. Ouais, je vois où ils sont, les gens-là. Sa fille n'en peut plus, elle est au bord de l'abandon. Ce sont ses équipiers qui désormais la font avancer. Allez, Claudine. Allez, Claudine. Claudine s'est fait passer à l'aube par les deux petites Russes, juste avant d'attaquer le col du bonhomme. Et Dessina, la Martiniquaise, poursuit de son pas nonchalant son envol vers Colmar. Les marcheurs du Paris-Colmar ont coutume de dire que la montée du col du bonhomme n'est pas la partie la plus dure de l'épreuve. Mais pour Claudine, ce jour-là, c'est un vrai calvaire. À cette heure-ci, c'est le moral qui joue. Elle s'est fait passer par les deux petites Russes. Elle a envie de dormir, elle a mal partout. Maintenant, c'est au moral qu'il faut qu'on monte et on espère bien être à Colmar ce soir. C'est là qu'il faut plein de têtes nouvelles, c'est là qu'il faut parler, c'est relance, relance, parce qu'on lui demande à cette heure-ci comment elle s'appelle, on ne sait pas si elle le sait encore. Le sommet est en vue pour Claudine, ancien marcheur du Paris-Colmar, son papa respire. Vous êtes un peu déçu quand même, hein? Bah oui, parce que ça va être tellement bien commencé qu'on est déçu, oui, bien sûr. Mais je pense que l'appui était pour quelque chose. Ça l'a beaucoup démoralisé, puis comme elle a assez mec, ça l'a dû là. Beaucoup la folie. Le bien, voilà. Allez. Claudine entame la descente du col, plus que 30 km avant Colmar. Gilles est derrière, il marche toujours d'un bon pas, depuis maintenant 61 heures, et il est cinquième. Le col se monte pas trop mal. Surtout que j'ai plein d'amis pour venir. Je crois que c'est un plaisir pour moi, mais aussi pour eux. Les marcheurs qui viennent accompagner sur Paris-Colmar ont beaucoup de plaisir à monter le col. Ils ne peuvent pas s'en passer, pratiquement. Donc on prend énormément de plaisir. Et puis, bon, ça s'est bien placé, j'ai fait la course que je voulais à peu près. Au bas de la descente, Gilles rattrape Claudine et, toujours très gentleman, s'arrête pour la réconforter. Allez, Gilles, allez. Alors, Claudine, ça va? Ben oui, mais t'es arrivé. Tu finis tranquillement, hein? Tu finis bien, là, t'es arrivé, là. Ben oui, c'est toujours très dur, mais je vois que t'as des pieds, t'as des... Bon. Non, moi c'est un bon Paris-Colmar. J'en ai eu des galères aussi, celui-là c'est un bon. Voilà pour le résultat. Et puis j'ai les pieds pas abîmés, quoi. Enfin, j'ai toujours été bien. Donc. La pluie, c'est pas le pire. Oui. Bon, allez, je te laisse finir. Tu rentres à la maison. Hein, on est plus loin maintenant. Allez, courage. Gilles boucle les 521 km en 65 heures et 26 minutes, soit une moyenne de presque 8 km/h. Il est cinquième à 6h33 du premier, le Polonais Klapa, 47 ans, qui lui a pulvérisé le record de l'épreuve en moins de 59 heures. Mais Gilles et ses équipiers sont heureux. Ils ont atteint leur objectif, finir en tête des concurrents français. Ils étaient 30 au départ, ils sont 11 à l'arrivée, dont seulement 4 Français. Rien de transparent. Mais ça, y a c'est que vraiment un grand monsieur également. Premier français.
Claudine, elle, arrive à Colmar après 49 heures et 19 minutes de course. Plus de 3 heures après sa grande rivale, Delsina, la Martiniquaise, qui à 54 ans a couvert les 343 km à une moyenne de presque 7 km et demi. Sur les 10 femmes au départ, elles sont 7 à l'arrivée. C'est un beau défi humain, mais c'est ça, un truc de dingue. Bon, bah, c'est ce qu'ils disent, en fait, ça sert peut-être à rien, oui. À quoi ça sert, en fait Ouais, c'est un défi humain, c'est sûr, mais... L'année prochaine, tu recommences? Bah, normalement, oui, j'avais dit jusque l'an 2000, moi, oui, oui, oui. Bah oui, parce que je voudrais bien essayer de gagner, quoi, c'est ça. C'est mon objectif, hein, comme toute marcheuse. Hein. Qu'ils aient fini ou pas, qu'ils aient galéré ou pas, les forçats du Paris-Colmar sont tous là moins de 24 heures plus tard pour la remise des prix. Souriants, à peine marqués par leur course folle. Et tous n'ont plus déjà qu'une seule pensée en tête, recommencer l'an prochain. Si vous étiez en France. Thank you.